Alors bonjour à tous, donc on va partir sur l'échauffement aujourd'hui. Donc vous allez faire 3 tours d'échauffement. Vous allez commencer par 30 secondes de planche sur le côté. Donc soit vous faites ici sur le côté et vous restez en place, soit vous pouvez le faire également sur le coude. Donc vous restez pendant 30 secondes comme ceci, bien aligné, la tête, les hanches et les chevilles, et vous pouvez lever la main pour que ça soit un peu plus difficile. 30 secondes en droite et 30 secondes à gauche. Une fois que vous avez fait ça, vous partez sur 10 ouvertures, donc des frog squats. On part les mains ici à l'intérieur des épaules, on vient placer les pieds et on vient se redresser. Okay? À chaque fois, on fait bien une extension. Et on vient bien ici faire une flexion et une extension. Une fois qu'on a fait 10 fois ça, on part sur 5 extensions de chaque jambe en position ici. Donc on est assis sur ses talons, on envoie une jambe devant, on met les bras sur le côté pour s'équilibrer et on vient ici chercher une extension vers l'avant, le pied est toujours à plat et on vient ici se rasseoir, on tend la jambe, ainsi de suite. Donc ça, vous le faites 5 fois à gauche, puis 5 fois à droite. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez votre corps à sauter et vous faites 1 minute 30 de corps à sauter. Donc vous mettez un chrono et vous faites 1 minute 30 de corps à sauter. Ça, c'est pour le premier tour et du coup, vous faites deux autres tours comme ça. L'échauffement, du coup, sera terminé. Ensuite, donc on va partir sur la deuxième partie. Donc, vous allez faire toutes les. Donc, dans une fenêtre de 2 minutes 30 et 4 fois chaque bloc, vous allez faire, premier bloc, 30 secondes de hold hold. Donc, on vient ici s'allonger au sol, on plaque bien le bas du dos, on lève les omoplates et on tend les bras. Et les jambes restent en place pendant 30 secondes. Une fois qu'on a fait 30 secondes, on enchaîne directement avec. Soit vous avez la chance d'avoir une barre de traction chez vous et vous pouvez faire des remontées de genoux ou des toast bar. Soit vous n'avez pas ce matos chez vous et auquel cas vous allez faire des mountain climber assez rapides. Donc vous partez ici, vous allez remonter les genoux 30 fois assez rapidement. Une fois que vous avez fini ça, donc le troisième exercice du bloc, ça va être des sit-up. Donc les sit-up, on vient s'asseoir, on met les pieds en losange, on vient ici et on vient se redresser en touchant devant, puis derrière. On se remet la poitrine, on n'arrondit pas trop le dos. Donc ça c'est pour le premier bloc. Donc si vous avez fini le bloc en 1 minute 30, vous avez 1 minute 30 de récupération et ça part sur le deuxième bloc. Le deuxième bloc, ce sera 45 secondes de chaise contre le mur. Donc on vient se placer contre un mur ici et on vient rester en place pendant 45 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on récupère son halter, sa kettlebell, ce que vous avez chez vous et vous allez faire 8 squats, donc goblet squat avec votre halter, mais il faut que ce soit lourd, pas comme moi, moi c'est 2 kilos. Donc il faut que ce soit assez lourd par rapport à ce que vous faites d'habitude, si bien sûr vous avez le matos nécessaire. Donc vous allez en faire entre 6 et 8, assez lourd, puis vous allez partir du coup sur des squat jump ici avec votre halter. Donc on vient ici et on vient sauter. Ok? Donc ça, vous allez le faire du coup 6 fois. Ok, donc à chaque fois 2 minutes 30, 4 fois le premier, 4 fois le deuxième, on alterne bien le bloc 1 puis le bloc 2. Pour la dernière partie, donc du coup ce sera un four time, donc à faire le plus rapidement possible, vous avez 4 tours à faire. 4 tours, 3 exercices. Si vous avez un wall ball, vous allez faire 15 wall ball. Donc soit vous le jetez contre le mur, soit vous pouvez le jeter au-dessus de votre tête. Donc on fait un squat complet et on envoie. Ok, donc ça vous le faites 15 fois. Si vous n'avez pas de wall ball, vous allez récupérer votre halter et vous allez pareil faire des squats sautés. Ok, une fois que vous avez fait vos squats sautés, on partira sur 20 clean jerk à la dumbbell. Donc vous récupérez votre halter, vous touchez le sol, vous la mettez sur votre épaule et vous poussez. Le but étant d'en faire 10 de chaque bras. Donc on touche à chaque fois les deux côtés de l'halter et on vient ici l'épauler puis la jeter. Et on finira par 40 DU. Donc les DU, c'est des doubles tours de corps à sauter. Si vous ne faites pas les DU, vous faites 100 simples. Okay. Pas de time gap. Vous arrivez à la fin. Quand vous arrivez à la fin, le but du jeu étant de faire 4 tours de ces 3 exercices. Voilà. Donc j'espère que ça va. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la semaine.